suite Saint-Étienne Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour, des fusils, instruments de guerre et des rubans, objets d'amour. Les avions ne manquent pas sur l'aérodrome municipal de Saint-Étienne-Bouthéon, mais ils appartenaient tous jusqu'ici à des particuliers. Aussi comprend-on la satisfaction avec laquelle le président de l'aéroclub forésien annonça l'arrivée du premier avion acheté par la CF, un beau Farman 402. Un beau ruban aux couleurs de l'aéroclub retenait comme une chaîne symbolique l'hélice du premier avion du club. Madame Véron de la Combe, marraine, trancha d'abord le ruban, puis le parrain, M. Delage, remplit de sa main une coupe de champagne que Madame Véron de la Combe brisa sur la coque en aspergeant le moteur. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on ne pourra que louer, cette année, les mêmes organisateurs d'avoir su tirer le plus judicieux profit d'un local industriel inutilisé depuis de longs mois et dont beaucoup de Stéphanois feront aujourd'hui ou demain la découverte agréable. On aime l'art à Saint-Étienne. Après avoir excusé M. le préfet Laban, le docteur Jean Néret, au nom du Conseil général de la Loire, s'éleva contre le préjugé tenace qui représente Saint-Étienne comme une ville ignorante des plaisirs et des délassements de l'esprit. C'est le 17 courant, à 21h précise, que le Radioclub forésien inaugurait son studio. Cette inauguration fut présidée par M. Louis Soulier, maire de la ville de Saint-Étienne. Le Radioclub forésien, dont les Stéphanois ont déjà pu apprécier les auditions mensuelles retransmises par Radio Lyon, venait d'achever l'installation de son nouvel auditorium. C'est une salle assez vaste, séparée en deux. Un côté, restreint pour les appareils, et l'autre, réservé aux musiciens et aux artistes. Le Radioclub forésien avait tenu à donner à cette première un caractère officiel et avait invité les personnalités stéphanoises et la presse. Monsieur le docteur Mossé, adjoint au maire de Saint-Étienne, prit la parole devant le micro. Après avoir dit son plaisir de prendre part à cette inauguration, il termina en soulignant l'intérêt que porte la municipalité aux émissions radiophoniques. L'industrie des armes compte parmi les plus belles industries de la région stéphanoise, dont l'importance est encore méconnue aujourd'hui. Comme l'a si justement rappelé M. Louis Soulier dans un article de Comédia, le germe de la manufacture nationale d'armes date de 1516. À cette époque, François Ier envoya à Saint-Étienne l'ingénieur Virgile pour faire fabriquer des arquebuses et des mousquets. Les membres du comité d'organisation inaugurent la 11e exposition de TSF au Vélodrome d'Hiver, rue Denis Papin, sous l'œil de la caméra de l'opérateur du Cinépresse. L'harmonie municipale, sous la direction de son chef, M. Rennes, attaque un morceau radiodiffusé par la station Radio Lyon. Maintenant que la TSF est par ses perfectionnements mise à la portée du profane, presque tout le monde a un poste chez lui. Le français moyen est arrivé de nos jours à ne plus pouvoir admettre un intérieur sans radio. L'adjoint au maire, le docteur Joseph Mossé, assiste à l'événement et dira ces mots. L'essor économique de la France est étroitement lié à la prospérité de notre ville. Permettez-moi de le proclamer avec un orgueil que je crois légitime. Dès le concert de l'harmonie terminé, c'est par les stands une débauche de musique, chaque vendeur démontrant aux visiteurs la sélectivité, la musicalité de ses postes. Les cours de pilotage recommenceront donc comme auparavant, toujours sous le patronage de l'aéroclub forésien Evelave. La splendide journée d'hier a permis aux pilotes de s'en donner à cœur joie. Hier, une dizaine d'avions ont volé. Les élèves pilotes, qui commencent à devenir nombreux, font de remarquables progrès. Un nouveau spécimen de ces bolides sur rail que sont les automotrices créées par les puissantes usines Renault a stationné hier pendant plusieurs heures à Saint-Étienne.
1h18 avait suffi pour aller du Puy à Saint-Étienne, 55 minutes pour toucher Roanne et 5h32 pour atteindre Paris. Depuis 30 années, les Stéphanois n'avaient pas eu le plaisir d'assister à un grand concours de musique. Pour avoir, bien malgré eux, longtemps attendu, ils n'en seront que mieux traités. Si, comme le proclame une des banderoles tendues au fait des arcs de triomphe monumentaux dressés pour les accueillir, la musique est la parole du cœur, les artistes sont un peu poètes, nos musiciens n'en sont pas moins gens pratiques. La ville entière était parée pour faire à ses hôtes une réception digne de la réputation de cordialité emportée de Saint-Étienne par tous les étrangers qui y sont venus. Saint-Étienne est un immense concert. De toutes parts, harmonie, orchestre, fanfare ont lancé de joyeux accents dans le ciel. L'harmonie de Saint-Étienne, avec laquelle venait de fusionner la philharmonique des anciens militaires musiciens, avait 53 années d'existence. Les Verriers de Vauche, les Algériens de Bab-el-Oued ou d'Alger, les Marseillais, les Périgourdins faisaient retentir de leur voix mâle les cintres de la bourse du travail habituée à d'autres accents. Le clou du spectacle fut le défilé général de la place Anatole France à la place de l'Hôtel de Ville. Il pleuvait, on n'y pensait pas, on se groupait à trois ou quatre sous le même parapluie. La place de l'Hôtel de Ville, au centre de laquelle se groupèrent les sociétés, ressemblait à une mer humaine agitant de ses remous les parapluies, monstrueuses bouées noires. L'Union des inventeurs de la Loire, dont les fondateurs furent messieurs Heurtier et Nicolas Chaise, célèbre avec éclat la plus belle invention du siècle dernier, le premier chemin de fer français. La ligne allant de Saint-Étienne à Andrézieux fut livrée à la circulation en 1827. Cette invention contribua au développement de la ville de Saint-Étienne. Le buste de Marc Seguin, fameux inventeur de la chaudière tubulaire, est inauguré à la gare de Château-Creux. Voyez le défilé historique de la locomotion. Au départ du quartier Grouchy, se dérouler dans la grande artère et montrer les diverses étapes des moyens de transport, depuis l'âge de pierre jusqu'à l'avion. Cette instructive démonstration est émaillée de quelques pointes d'humour. Les amateurs de musique, et ils sont plus nombreux à Saint-Étienne que beaucoup ne le supposent, doivent aux organisateurs de l'exposition de TSF qui se tient à l'ancien vélodrome d'hiver le concert admirable qui leur fut offert par la musique des équipages de la flotte. On peut avoir pour la TSF une véritable passion. On peut goûter, grâce à son poste, un certain plaisir à connaître à l'avance les nouvelles dont les journaux vous fourniront le lendemain tous les détails. On peut aimer la TSF parce qu'elle vous offre le choix entre des dizaines d'orchestres et vous permet d'échapper à celui dont la musique vous déplaît. On peut enfin, et c'est là le sort de toutes les inventions, arriver à prendre en horreur la TSF simplement parce qu'un voisin sourd ne sait pas utiliser son appareil autrement qu'en condamnant au silence tous les autres récepteurs de la maison. L'aéroclub forésien Évelave, que préside avec tant de tact et d'autorité Monsieur le docteur Depercave, a fêté hier son président d'honneur, Monsieur Laurent Hénac, ministre de l'Air. Saint-Étienne, qui fut le lieu du premier transport ferroviaire, ne doit pas détourner son regard de ce mode de transport nouveau qui entre chaque jour davantage dans les mœurs. De bonne heure, la compagnie du 38e d'infanterie, avec musique et drapeau, s'était massée place Jean Jaurès. Un service d'ordre aussi adroit que ferme dérivait les autos vers la rue Balaï. Un passage rapide devant la compagnie alignée, un salut à la fois énergique et cordial du chef, une exécution vigoureuse des airs habituels par la musique, puis le maréchal Pétain gagna la préfecture. Le maréchal, dit le communiqué officiel, a fait ressortir la nécessité de préparer un plan de défense contre les bombardements aériens. Il a insisté sur le fait que les études entreprises ne doivent pas être mal interprétées. C'est répondre simplement aux vœux de la population elle-même que de prévoir toutes les éventualités possibles afin d'éviter un manque d'organisation qu'on attribuait naturellement à l'imprévoyance des autorités civiles.
Depuis des siècles, la ville de Chazelles-sur-Lyon fabrique des chapeaux. Il est certain que depuis une trentaine d'années, les chapeaux chazellois sont connus et appréciés dans le monde entier. Nous assistons dans le film aux nombreuses opérations qui transforment la matière première, constituée par des poils de lapin, en élégants chapeaux de feutre. Le bastissage, le foulage, le repassage et l'ajustage des galons revivent sous nos yeux.